Pardon. Waouh, mais en fait j'ai eu un message. Ah mais ouais, la sauvegarde globale est corrompue, elle va être supprimée, mais c'est quoi ce bordel? Écoutez. Ah ouais, mais du coup j'ai perdu mes... Ok. Ah, voir Nitrofield. C'est quoi ça, R2, voir Nitrofield? Ah ok, ils ont intégré pour que tu puisses... Oh là là, mais quel banger ce jeu, mais quel banger. Bon les amis, ben c'est parti pour Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2, qui est un peu plus simple. Bon, il est encore un peu, mais... Et c'est vraiment la suite directe, hein. C'est la suite directe du premier. Un an plus tard. Mes maîtres, pour atteindre la puissance optimale, il faudrait non seulement le cristal suprême, mais aussi les 25 cristaux inférieurs encore au sol. Et je vous simplement rappeler à son éminence qu'elle a mis à mort les quelques agents terriens qui nous restaient. Imbécile! Tu crois que je n'en suis pas conscient? En l'absence regrettable d'amis à la surface de la Terre, il ne nous reste qu'à recruter. Regarde-moi ça, rien que pour voir ces graphismes comme ça, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Crash, ma batterie est cuite. Prends-toi un peu utile, frangin. Et va en chercher une autre. Oh là là. Quelle aigrie celle-là. Rien que déjà le gameplay il est plus là, tu peux t'accroupir. Voilà, on peut faire le jeu comme ça, donc rien que déjà. Voilà, on peut faire ça. Voilà, donc c'est le mieux. On peut faire ça. Ça fait plaisir d'en faire Crash Bandicoot. Crash Bandicoot 2, Crash Bandicoot 3, c'est vraiment ce que... Crash Bandicoot 1, c'est vraiment celui que je... Il me saoule vraiment trop. Tiens, tiens, tiens. Mais c'est notre ami Crash Bandicoot. Bienvenue. Toutes mes excuses pour cette invitation précipitée, mais je soupçonne fort qu'une invitation plus formelle ait été refusée. J'ai besoin de toi. Tout autour de toi, il y a 5 portes. Derrière chaque porte, se dissimule un cristal. Il ressemble à ça. Apporte-les-moi, Crash. Je t'expliquerai plus tard. Quand on se reverra. Crash, ne l'écoute pas. C'est un piège. It's a trap. Mon préféré des trois, c'est Crash Bandicoot 3. Après Crash Bandicoot 2. Et après Crash Bandicoot 1. Ah non! Le Crash Bandicoot 3, il est trop banger. Avec l'Egypte, la muraille de Chine et tout. C'est trop bien. Mais le 2 aussi, il est cool avec... J'aime bien dans les égouts, dans tout ça, avec l'ours polaire. Il faut savoir que Crash Bandicoot 2, ça a été le tout premier jeu de ma vie. En fait, mes parents, ils m'ont offert ma première
première PlayStation en 97 quand j'avais 3 ans. C'est là que je me rends compte, j'avais une chance exceptionnelle. Bon, mon papa était gamer aussi, donc on va dire que c'est aussi pour ça que... aussi que j'avais pu en profiter. Mais du coup, en 97, octobre 97, et... Ah oui, merde, c'est vrai que putain, je peux pas les tuer. Et du coup, premier jeu, Crash Bandicoot avec... Crash Bandicoot 2 avec Spyro 1. Ah ouais. Ah mais oui, putain, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je suis fait piéger là. Merci moi Attila. Putain, je regardais les commentaires, j'ai encore failli me foutre en l'air. Oh bâtard. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Ah non, je suis trop le seum. C'est la vengeance de Cortex, oui, c'est ça. Pourquoi t'es le boss? Ah, je suis pas le boss sur Crash Bandicoot, hein, vu comme je me fais rouler dessus. Ah, profitons de ces petits niveaux, les niveaux bonus sont super simples, tout est simple. On a déjà 7 vies, profitez-en! Parce qu'on les aura bientôt plus! Oula! Je suis dégoûté, il va me manquer deux caisses. J'ai un peu le seum là. C'est vrai, et ça fait tellement du bien que personne ne mentionne le fameux jeu. Ah non, il manque 4 caisses. What? Ah, t'es à l'avant-dernier étage. Ah bah tu finiras sans doute avant moi, hein, parce que là, on rejouera pas à Crash avant la semaine prochaine. On t'expliquera quand tu seras grand, The Lich King. Maintenant, écoute bien. Ces hologrammes sont plutôt instables. Pendant ma... Et d'ailleurs, c'est les hologrammes qu'on retrouve dans Crash Bandicoot 1. J'ai eu vent d'une force qui menace. J'espère que vous avez reconnu. Les cristaux sont le seul moyen de la combattre. Le sort du monde est entre tes mains. Il faut donc absolument que tu me les apportes. Allez, let's go.
Snow. Ah, oh, mais il y a directement un niveau avec la neige. Je me rappelle plus. Ils sont trop bien avec les niveaux avec la neige. Faut que je fasse gaffe parce que des fois on se fait piéger. Il y a des trucs ici. Mais c'est la merde sur la glace là. Ça m'énerve. Tant pis pour les pommes. Je me rappelais pas que c'était aussi chiant sur la glace. Tu vas être banni, The Lich King. Ah ouais, tu vas être banni. Pourquoi il manque deux caisses là? Pourquoi il manque deux caisses, bordel? Je me fais rouler là. Ah mais j'étais à 4, j'ai cru que j'avais pas vu que t'avais mis j'étais à 4. Les nitros, bah je les ai fait péter les nitros. C'était les deux caisses transparentes, mais j'ai pas compris pourquoi je me suis pas fait. Elles sont pas apparues en fait. Parce que j'ai rien raté. Ah voilà, alors ça par contre c'est les niveaux de merde. Les niveaux de la rivière. Ça c'est des niveaux de merde. Alors peut-être que le premier sera pas trop galère si c'est le premier. Ah putain, mais ça marche pas les masques. Mais forcément ça marche pas. Putain, comment c'est...
après les derniers niveaux du 1, j'ai l'impression que c'est un jeu pour enfants, le 2. Bon, ça va devenir plus compliqué après, mais là quand même... Ferme ta gueule, Chris, ferme ta gueule. Eh, super, bah merci les deux masques. J'en ai aucune explication sur le titre de GTA. Faudrait que je fasse des recherches d'ailleurs pourquoi ça s'appelle comme ça. Je pense très clairement parce qu'à la base c'était vraiment un jeu de bandit. Et que... voilà. C'est bon endroit là. Wouh! Bah lui on peut pas l'avoir parce qu'il faut un niveau bonus quand on aura tous les joyaux. Ils se sont fait voler les voitures, les phrases. En mars, il y aura quoi comme jeu sur Twitch? Alors, attends que je réfléchisse. On est quel jour, là? On est mi-février. Déjà, fin mars, il y a The Last of Us et The Last of Us Partie 2. Ensuite, je sais pas. Faut que je fasse Horizon Zero Dawn. Faut que je fasse Horizon Forbidden West. Faut que je fasse... Faut que je fasse quoi Il y a plein de jeux qu'il faut que je fasse. Oh non, j'ai sauté. On aura pas duré longtemps le masque hein. Alors, The Lashing, lorsque tu fais des fun facts, ne fais pas des fake facts. Parce que c'est pas pour une cinématique. C'est pour l'introduction et la promotion du jeu en fait. Bravo Mika, bravo. Y'a possible que ce soit RE4 remake hein. Putain mais dès que j'ai un masque je me fais niquer. Donc c'est totalement possible RE4 remake. Bah tu regardes comme t'en as envie Reda, comme ta préférence en fait. Ça va être une semaine, enfin un mois spécial horreur là. Entre The Last of Us et RE4. Ah mais en plus ouais ça va être ensemble en plus ça. Ah putain ouais va falloir que je regarde quand ça sort et tout. Hein. Va falloir que je vous regarde quand c'est que ça sort mais j'ai pas encore fait le planning. Il faut qu'on finisse Test Drive Unlimited. Faut qu'on finisse Harry Potter à l'école des sorciers. Faut qu'on finisse Hogwarts Legacy.
Il va y avoir les streams PlayStation VR 2. Oh mais le con, mais j'allais être sûr, j'allais me faire baiser qu'il fallait que je la nique la tortue. Voilà, j'ai la flemme parce que du coup là tous les ennemis sont réapparus. Oh non mais là je me suis fait niquer là. On parle pas de GTA 6 de la King. C'est pas le. On fait pas un stream GTA donc on en parle pas. Deux vies que j'ai perdu. Putain. C'est super chaud en fait de. Ah non putain, il me faut repartir de là. Oh ça me saoule là. Je fais n'importe quoi là. Tant pis pour... Mais il y a pire que RE4. Je verrai la semaine prochaine. Bien sûr que j'allais me louper. En vrai, je flippe pas trop sur les jeux VR. Sur les jeux d'horreur, pardon, lapsus. Mais les jeux d'horreur en VR, j'avoue que ça rend un peu fou. J'avoue que ça rend carrément fou même. Il s'est décalé tout seul. Ah ouais, non mais les jeux d'horreur en VR, laisse tomber quoi. Oui, Five Nights ça passe. En normal. En VR, c'est autre chose. Je panique là. Je sais pas comment j'ai fait pour m'en sortir. J'en étais sûr. J'en étais sûr qu'il fallait pas que je le fasse. Eh oui, j'en étais sûr.
Yes, il y a le premier, le Resident Evil 7 qui est sorti sur sur PSVR 1 effectivement, ouais. Et Resident Evil 4 qui est sorti sur Oculus, enfin sur MetaQuest. La flemme, j'ai peur. Ah, donc ça veut se foutre de ma gueule parce que je me chie dessus. Mais toi-même, t'assumes pas, Younes. Aïe, 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 c'est du propre. C'est du propre. Ah, il y a le retour de Boulder. Merde. Wouhou. On a eu chaud là. Merde, putain, mais c'est pas possible. Oh là 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 là. Mais c'est pas possible, on les voit pas arriver, on les voit pas. La caméra, elle est pas assez éloignée. Merde. Putain, mais c'est incroyable. J'ai fait n'importe quoi. Ouais, mais pourtant, Younes, la VR, c'est 10 fois mieux que jouer normalement. Parce que là, tu ne joues plus à un jeu vidéo, tu es dans le jeu vidéo. Salut Agent Fanoff. Fanoop. Agent Stéphanoop. Putain, mais. Tout accroché, c'est compliqué à lire. Hein. Oula. Et voilà, c'est comme ça que ça se passe. Joyeuse Saint-Valentin à toi aussi, Stéphane. Ah non, c'est par là qu'on a... Putain, le réflexe de partir dans l'autre sens. Ah oui, c'est vrai qu'il y a Sam. Putain, mais c'est... C'est mine, c'est mal foutu. Mais non, je t'ai pas dessus, là. Ah putain, mais... Et je l'ai pas vraiment au dernier moment, les mines. Oh non! Oh non! Ah mais ça a bugué. Ah, le Happy Saint-Valentin de Rockstar. Mais ils le font souvent, hein. Mais non, mais j'étais pas dessus. Ils le font souvent, Rockstar. Putain, mais c'est pas possible. Mais Chris, qu'est-ce qui t'arrive, bordel de merde? Ils le font souvent, Rockstar, hein, pour la Saint-Valentin. Eh, mais je suis abruti, ça fait 3 fois que je recommence, 3 fois que... Et ben voilà. Let's go.
Regarde un stream, Oli, c'est une belle Saint-Valentin grave. Exactement. C'est une très bonne Saint-Valentin aussi. Il se sort le diamant du fiac quand même. Un effort, bordel, Crash, un effort. Saint-Valentin, il parle de fiac. Ah, c'est Crash, c'est pas moi. C'est Crash qui s'est sorti. Il est taré lui. Ah putain, oui, il y a Reaper Roux. Oh là là. Insupportable. Ça va. Ça va, ça va. On n'a pas trop compliqué ce premier boss. Pour moi, on s'en sort pas trop mal. Hein. On a 18 vies. On a fini le premier niveau. Enfin, le premier... Voilà, le premier boss, on l'a poncé. Pour moi, ça va. Ça change clairement de Crash Bandicoot 1. Merci, moi, Attila. C'est vous les meilleurs. C'est la commu, les meilleurs. Pour être précis, les 13 planètes s'aligneront d'ici peu. Et leur force combinée va réduire notre... Est-ce que vous avez vu l'Easter Eggs derrière Cortex? Ici, là, regardez. Ici, là. Est-ce que vous avez vu l'Easter Eggs quand même? Le quoi? Je dois trouver le quoi? Est-ce que vous avez vu ce magnifique Easter Eggs Beat It, qui est un Easter Egg de Beat It de Michael Jackson? Allez, pour la peine, on va commencer par Beat It. En plus, c'est avec le petit polar, donc... Ah non! Ah non! Abusé là! C'était pour récupérer la vie!
Le mec qui meurt pour récupérer une vie. Ah non, ah non non, là c'est abusé la bande. Non mais là c'est vraiment abusé par contre, comment tu veux faire pour l'éviter? Ah bah non, putain, j'ai trop tourné. Alors c'est clairement pas le meilleur, la vengeance de Cortex sur PS2 hein. Mais on le fera. On le fera. Oh là là, oh là là, oh là là. Ah non. Bah parce que c'est un plagiat raté de Crash Bandicoot 2-3 en fait hein. Clairement hein. C'est un jeu qui n'a pas été fait par Naughty Dog, mais ils ont voulu faire du Naughty Dog et ça marche. Pourquoi j'arrive pas là en fait? C'est quoi ce bordel? Comment c'est possible en fait de... Je comprends pas. Putain, je comprends pas comment tu veux y arriver là. Ah non, mais là j'avais sauté avant. Ah mais je suis pas pro du tout, Hilario. Hugo. Mais c'est strictement impossible. Alors à moins qu'il faut que je... Oh non. Putain, j'ai perdu 7 vies là. Abusé. C'est le crash. Voler puis mourir. Bah ouais mais attends ils sont marrants eux. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer juste? Mais c'est strictement impossible. Oui après la vengeance de Cortex c'est le moins des pires des PS2, d'accord. Mais c'est pas parce que c'est le moins des pires que... Mais c'est strictement impossible, je comprends pas là. C'est impossible. Mais comment on fait? Bah là les gars franchement si vous avez une solution parce que je vois pas du tout. Saute avant, c'est ce que j'essaie de faire en fait depuis Saute avant quoi tu veux dire là? Je peux strictement pas en fait. Je peux strictement pas. Premier saut? Mais c'est impossible d'aller plus loin. Et merde putain, j'ai plus de vie. J'ai perdu toutes mes vies sur ce passage de merde. C'est impossible en fait. Tu veux sauter avant, personne, ça passe pas. Oh, j'ai trop le seum, j'ai perdu quand même 18 vies sur ce niveau. Enfin, sur ce passage-là. T'as un niveau avec le nom Birit, ne peut pas me casser les couilles.
Ah génial. Apparemment ça passe. Bah ouais, mais vous avez bien vu que là j'ai un peu le seum quand même. J'ai perdu 18 vies sur ce truc hein. Oh non. Ah non! Bah c'est foutu hein. Putain mais c'est quoi? Yo mon Max! Comment ça va? C'est impossible! Je comprends pas! C'est abusé! Comment tu veux... Oh putain, c'est comme ça qu'il fallait faire! J'ai trop le seum, j'ai perdu 18 vies dans la bataille! Un checkpoint, s'il vous plaît, un checkpoint! Un checkpoint! Non, c'est bon, on a fini le niveau. Ouais, le niveau, il est vraiment chaud. Ah, mais attends, Max, t'as jamais fait des crashs, Max? Oh là là, mais Max, il faut trop que tu fasses les crashs en live. Tu vas t'arracher les plumes. Tu vas t'arracher les plumes, notamment sur le premier. Sur le premier, tu vas voir. Tu vas t'arracher les plumes. Bon, en tout cas, le niveau Easter Egg The Michael Jackson, il nous a fait mal. Hein. On est passé de 18 vies à 2 vies. mais attendez, il n'y a pas un truc aussi, je crois. Il n'y a pas un... Ah, mais attends, il faut trop que tu y ailles, du coup. Faut trop que tu fasses, Max. Il n'y a pas un truc... Franchement, en plus, les remakes, ils sont vraiment cool. Et je pense que tu risques de péter un bon plomb, un bon pétage de plomb, et ils sont vraiment excellents. Crash Bandicoot 1, 2, 3, CTR, et après Crash Bandicoot 4. Et je pense que ça, ta commu pourrait vraiment kiffer, parce qu'ils vont te voir carrément rager. Et puis... Ah ouais, non mais par contre les platines... Bon, il y en a qui les tentent, hein, mais... T'as intérêt d'avoir un bon psychologue, un bon thérapeute. Mais en plus tu l'as, mais Max, faut trop que tu le fasses. Franchement. Parce que au-delà de ça, c'est vraiment des jeux qui sont excellents quoi. Mais qui sont durs. Oh là là. Ouais, ouais, le Crash Bandicoot 1. Le Crash Bandicoot 1, c'est du solide. Hein. Après, le Crash Bandicoot 2, et ça va un peu mieux. Le Crash Bandicoot 3, ça va aussi un peu mieux. Mais le Crash Bandicoot 1, il est vénère. Il est vénère. CTR, ben, en fait, tu vas découvrir ce que c'est qu'un vrai jeu de karting. Autre que Mario Kart. Oh non! CTR c'est un vrai jeu de cartes quoi. Donc mais du coup il est technique. Donc il est un peu dur. Et après Crash Bandicoot 4 qui n'a pas été fait par Naughty Dog mais qui est très bon. Lui par contre wow. Moi aussi il m'a fait bien rager hein. Non.
Ah! Oh non, je lui saute dessus. Ah non, mais là, tu peux pas platiner. Même CTR, je l'ai pas platiné parce que le remake il rend fou. Putain, mais. A chaque fois, je me fais niquer. Merde. Hop là. Ah non, putain. Ouh, j'ai failli me faire griller, là. Oh non, je me suis arrêté avant. Ah ben la Edge elle est là hein. Mais c'est vrai que je l'ai pas encore configuré. Mais je sais pas s'il y a moyen. Parce qu'en fait ça va vraiment. En fait ah merde, j'ai fin de partie. Ah mais oui, j'avais plus de vie. En fait tu vas voir où il y a beaucoup de. Pour dire les termes, c'est un jeu de pute hein. C'est que des pièges en fait. Et en fait ça met beaucoup ça met vraiment à niveau ta patience et le fait en fait d'avoir la faculté de ne pas te précipiter. C'est un peu un die and retry hein. C'est un peu un Souls mais version plateforme. Et du coup je sais pas si la Edge peut être un bon cheat. Et salut à toi Xerox, bienvenue. Oh non, tu vois, il y a aussi beaucoup de trucs comme ça, tu vois, où tu vas mourir, mais d'une façon tellement bête. Oh. Mais tu me fais quoi, la crash? Voilà. Ah non! J'avais sauté! Ah là 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 là, j'étais sûr! Je pense que là, il faut qu'on y aille. C'est quoi le new crash? Alors c'est un crash et c'est un crash qui est. Oh non, j'étais passé là. C'est un crash qui est centré sur le multi. Donc c'est pas la folie furieuse. Hein. Allez, on va gagner un peu de la vie là. Crash 5, faut pas l'attendre pour tout de suite malheureusement.
Je pense qu'il faut même pas l'attendre tout de suite, tout court en fait, à cause de. À cause d'Activision. Wouhou! Je vais activer les ondes pour. Ouais. Ah, c'est pas la fête du slip avec Activision. On a perdu Crash Spyro 4 aussi. Hein. On a perdu Spyro 4 dans la bataille. Allez, on remonte un peu les villas. On en est qu'à la moitié du niveau, hein. Oh non ! On s'est fait rouler les amis là. Ah bah non, on est à la fin du niveau en fait. Ah oui, parce qu'après il y a les gemmes à débloquer. Allez, allez, allez. Tu cheatais à l'époque ou pas? Jamais. Déjà sur quoi? Sur Crash Bandicoot, Younes? Parce que sur Crash Bandicoot, c'est un peu compliqué de cheater, hein. Tu peux même carrément pas cheater. On va essayer de remonter un peu le niveau de vie là. Parce qu'on avait pas mal de vie et. Et là il nous en reste plus hein. C'est pas avec ce niveau qu'on va remonter la vie parce que celui-là, c'est vraiment les niveaux de merde ça. Non, je crois pas que sur Crash Bandicoot il y ait des cheats. En tout cas, ça me dit vraiment rien du tout. J'en étais sûr. Il est pas du tout maniable ce bordel. Non, j'ai fait. Eh oui, je savais. Je savais, putain, n'importe quoi. Oh non! J'ai fait un pas de trop! Mais voilà, on perd les vies là. Mais non, 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 non. Allez, on a récupéré une petite vie. J'aurais préféré en avoir un peu plus, mais c'est déjà ça de prix.
Ah, t'es sûr? La caméra elle est trop mal foutue, on sait pas où elle se situe en fait. C'est ça qu'ils auraient pu changer, putain, avec Voilà, c'est impossible. C'est impossible. Je vais arrêter, je vais pas perdre toutes mes villas en fait, mais... C'est ça qu'ils auraient dû améliorer dans le... Dans ce remake par contre. Là, je suis d'accord que sur ça... C'est insupportable. La perception, elle est trop mal foutue. Oh là 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 là. Chris a commencé à quel âge? De quoi? À le jeu vidéo? Je suis en train de voir, c'est Archibald, les ombres, ça a toujours été... Ah mais là, incroyable! C'est trop ça, mais là en fait... Ouais, les ombres, enfin... Mais sur Crash 4, t'as une aide. T'as un truc où en fait, ils peuvent te... Tu vois où tu vas atterrir. Donc c'est plus simple dans Crash 4. Mais en tout cas, bienvenue Archibald. Clairement, ces niveaux-là, l'eau était déjà les pires à l'époque. Carrément! Mais bienvenue à toi aussi, Bagan. Merde, comment je fais pour... Mais... Oh! Oh putain, c'était sûr. En plus, c'est l'arrivée! Mais non, mais oh. Mais non, ça c'est insupportable. Bah voilà, la vie qu'on a gagnée, bah on la repère, c'est incroyable. Merci à toi, content que ça te plaise les lives. Je mets ma santé mentale un peu à l'épreuve pour vous faire plaisir les amis. Hein. Alors là c'est un gros coup de chance. Alors le premier jeu c'est alors un Crash 5 Rockstar Games, absolument pas, ce serait tellement à chier. C'est pas parce que t'as un bon studio, Crash est très Rockstar sont très bons dans ce qu'ils font, mais je suis sûr et certain qu'ils seront à chier sur un Crash. Bon écoute, c'est pas leur domaine. C'est comme si demain tu demandes à Naughty Dog de faire un GTA. Bon si, peut-être que Naughty Dog est... Rockstar, je suis persuadé que non. Et mon premier jeu bah, c'était Crash Bandicoot 2. Crash Bandicoot 2 en 1997 et j'avais 3 ans. C'est là que j'ai commencé, donc j'ai eu Crash Bandicoot 2 et Spyro le Dragon. C'est les deux jeux que j'ai eu en même temps. Et ça repart avec ces trucs là. Mais c'est impossible, mais je saute. Et elle a une latence cette... Putain, t'es encore là Max? Si Chicken House est encore sur le...
Si Chicken Ass est encore sur le chat, j'ai une question pour toi et la DualSense Edge. Parce que moi, elle me rend dingue. Mais c'est que depuis hier, j'ai pas l'impression que ça le faisait avant. Mais là, clairement... Ah bah génial. Je crois pas qu'il soit là, Max. Je crois pas que Max soit encore là. Je lui poserai la question. Oh non, mais voilà. Il y a clairement une latence sur la Edge. Hein, je comprends pas. Je comprends pas parce que là clairement j'avais appuyé sur rond et il a pas fait. Hein. Et j'en suis où niveau batterie? Bon la batterie, mais je pense pas que ce soit ça. Si vraiment c'est trop chelou. Ah merde. Merci à toi Sharkis. Je lui poserai la question par MP. Par MP mais je comprends pas. Hein. C'est vraiment hier depuis hier avec Hogwarts où j'ai eu cette impression là. Et là avec. Ah non mais là c'est pas possible. Hein. Je comprends pas. Hein. Je comprends pas. Franchement. Et en fait, je sais même pas si c'est une latence ou en fait si c'est mes boutons qui marchent plus en fait. Non mais en fait, je crois que c'est même pas la latence, c'est que c'est mes boutons qui s'activent pas vraiment en fait, ou je sais pas. Ou est-ce que si c'est la latence parce qu'en fait, ils s'activent pas tout de suite. Du coup ah ouais, non, je comprends pas. Ah ouais, non, mais attends, c'est pas possible, je comprends pas. Ça casse un peu les couilles parce que je suis en train de perdre. Ouais, mais là c'est pas possible non plus hein. Putain, je vais perdre toute ma vie là-dessus, vous allez me dire. Bah oui. Mais c'est un scandale. Fin de partie. C'est un scandale, messieurs dames, je refuse. Je refuse cette chose. En vrai, j'ai fait exprès. C'est pour recommencer, comme ça, on va regagner des vies. Marcher là. On va prendre les pommes parce que chaque pomme est importante.
Allez vite! Pas le temps de ramper là! Non! Ok, super. C'est des pommes, t'es sûr? Ah ouais, je suis. Ah non, mais y'a un souci, hein, je comprends pas. Hein. Oh non! Ah, oh mais c'est pas possible! Oh putain, je me suis fait piéger. Salut Srisson, bienvenue à toi! Mais j'ai sauté! Je fais le... J'ai fait la même erreur. C'est pas possible. Non mais ah, je saute dessus là. Allez, faites-moi gagner 5 vies là. Bon, on va gagner déjà 2 vies. C'est déjà pas mal. Je t'entends depuis mon appartement. C'est très moche, Tristan. Colporter des fake news comme ça, c'est très moche. Allez, c'est le dernier run là. C'est le dernier run. Allez, c'est le dernier run. Oh non! C'est le dernier run, il reste seulement 2 vies. Oh là là, oh là là! Non, 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 pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi j'étais sûr? Mais où en plus c'est là, elle allait la ca... Ça allait casser la caisse quoi qu'il arrivait, mais qu'est-ce que je suis abruti. Mais les amis, je suis un abruti. Je le dis. Quoi qu'il arrive, la caisse allait être cassée. Ah non, ça l'a pas cassé! Ça a pas cassé la caisse! Oh non! Oh non! Oh, je me suis fait griller! Je suis dégoûté! Oh non! Bon, les amis, il nous reste combien de vies là? Une vie! Mon dieu! Mon dieu, mon dieu, mon dieu! Les amis, c'est sur cette fin de live, enfin sur cette fin de niveau que le live d'aujourd'hui va cesser. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, que vous vous êtes régalé encore une fois à me voir, rager quoi, hein, puisque visiblement c'est ça qui vous amuse,
c'est me voir souffrir, hâte de voir la suite. Ouais, bah ouais, moi, hâte aussi, ouais. Moi, j'ai surtout hâte d'arriver sur CTR pour vous montrer mon skill, de faire les soirées CTR et de me venger comme il se doit, les amis. En tout cas, j'espère que vous avez passé une bonne petite soirée. Moi, de mon côté, c'était vraiment très cool, même si je commence à en avoir un petit peu marre de Crash Bandicoot et que je vais aller faire, que je vais aller prendre un cachet. Mais en tout cas, je vous souhaite une bonne soirée, les amis. Bien entendu, dès demain, il y aura le replay qui sera du coup en deux parties, la fin de Crash Bandicoot et jeudi, on mettra le replay de Crash Bandicoot 2. Donc voilà, je vous souhaite une agréable fin de soirée, une bonne nuit les amis. Demain, on continue Hogwarts Legacy. Et du coup, et bon, on se dit à très bientôt. Merci à tous. Bye bye. Bonne soirée.